Le petit poussé Intermarché à Bergerac, ça commence maintenant, enfin à 5h du matin. Salut, c'est Geoffrey Nicoletti, gardien numéro 2 du Bergerac Périgord FC. Il est 5h du matin et on va aller travailler au Intermarché de Creysse. Allez, suivez-moi. Alors, moi je suis parti de l'épicerie, donc je prends tout ce qui appartient à l'épicerie, tout ce qui est pâte, alimentaire, les gyms, etc. Le principe, c'est pour que le matin, on rende le rayon propre, plus propre. J'aime bien parler foot. Et lui, je sais qu'il supporte Bordeaux, donc je l'ai un peu chambré parce que Bordeaux est 6-0 ce week-end. Intermarché, il est en partenariat avec Bergerac Périgord. Et donc, ça fait plus de un an que je travaille ici et pour l'instant, tout se passe bien. Je pense que c'est un bon partenariat pour les jeunes du club, notamment pour trouver un emploi. Et donc, on en profite et voilà, ça se passe bien, donc on continue. Et il y a Julia Chaboiseau qui travaille au frais. Bonjour, alors je m'appelle Julia Chaboiseau, j'ai 24 ans, je joue à Bergerac. Et qui joue en R1 Elite et qui a joué en D2 féminine. Je suis arrivée grâce à mon coach qui m'a proposé de venir ici. Et donc on va te voir dimanche, tu viens supporter les garçons là? Ben non, bien sûr. Voilà, fin de journée, il est 10h, enfin fin de journée au travail, maintenant on va enchaîner avec l'entraînement, c'est parti. Et là je crois que c'est la première année ou deuxième année qui travaille là, comme ça à Intermarché. De bonheur, et après il enchaîne les entraînements avec le groupe N2 les matins. Ouais, il est très courageux, il l'avoue, c'est dur, mais il a toujours la banane et il s'accroche, mais c'est un bel exemple. Voilà, je suis poussé à Intermarché, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à Intermarché à Creysse. Chez Intermarché Creysse, qui est un partenaire du club mais également partenaire de la Fédération Française de Football. L'idée en fait c'est de regrouper les joueurs, les élus, les dirigeants, les supporters du PPFC pour assister à la remise des maillots officiels aux joueurs et au staff et surtout passer un moment avec le trophée de la Coupe de France. On est partenaire du football club de Bergerac depuis 12 ans. Dans laquelle on a des équipes, des gens qui travaillent dans le magasin et qui jouent en même temps dans le club, des hommes et des femmes. Donc c'est une très très belle histoire. C'est un plaisir parce qu'on est l'un des derniers clubs amateurs. Ça montre quand même le travail qu'on a effectué. Forcément, il y a plus d'attention par rapport à l'équipe, avec forcément le flocage petit poussé.
ça fait rêver, voilà, c'est cool, ça ramène du monde, ben, ça nous fait un peu plus rêver encore, histoire de tout donner dimanche, quoi. C'est un moment un peu, c'est une parenthèse dans une vie, donc ils en profitent au maximum et ils veulent surtout immortaliser le moment. Ils ont bien besoin de profiter, même moi j'ai ma photo du coup, donc ça servira de souvenir, je pourrais l'envoyer à ma mère et elle sera contente également. C'est un vrai bel événement, c'est un sujet de motivation pour les équipes. Mais tout le monde est à fond, de la cave au grenier si j'ose dire, de la caisse au drive, en passant par les fruits et légumes. Le petit poussé Intermarché, c'est fini pour aujourd'hui, mais rendez-vous demain. Allez Bergerac ! Allez Bergerac ! Oui, ça va le faire ! Non ! Merci. On est un peu stressé. On dort mal, on dort trop mal. Putain, c'est un peu stressé, fatigué mais heureux. Plaisir donc d'accueillir le trophée du petit poussé au président du club de Bergerac. C'est beau! Oh, c'est énorme! C'est énorme! Que demande le peuple? Hey, 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 hey.